quatre premiers Gala Juste pour Rire, le premier duo noir à animer un Gala Juste pour Rire. Ah ouais. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, le premier duo noir à animer un Gala Juste pour Rire. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est l'apocalypse. Hein, les trois signes de la fin du monde, hein? Une guerre mondiale, une pandémie mondiale et deux noirs qui animent un Gala Juste pour Rire sont nouveaux. Ben, parce que, est-ce que vous savez ce que ça représente pour Juste pour Rire de nous avoir choisi, nous? Deux fois plus de subventions, honnêtement. Et je dirais même quatre fois plus de subventions. Ah ouais, comment ça? J'ai dit à la production que t'étais une femme puis que moi j'étais gay. En tout cas, la production, ils nous ont dit « Ouais, vous inquiétez pas, les gars, vous avez carte blanche. » J'ai fait « Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Répète-moi ça !» Ils ont eu peur, ils ont commencé à bégayer. « Ah, mais c'est pas ça qu'on voulait dire !» Du coup, ce soir, on a carte noire. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses, elles changent. On est d'accord avec ça ou pas? Ah ouais, ça bouge, hein? Souvenez-vous, petit, à la cour d'école, on jouait à roche-papier-ciseaux. Aujourd'hui, les enfants jouent à viande, gluten, pollen. Et moi, j'espère que le fait qu'on anime ce gars-là, ça va ouvrir des portes pour le futur, hein? Ah ouais, plus de diversité dans les rôles. Ouais. Moi, j'aimerais ça, pour vrai, qu'on me donne des rôles qui sont destinés qu'aux blancs d'habitude, OK? Moi, j'aimerais ça pour vous. Ah, tu veux jouer le prochain James Bond, hein? Même pas. Je vais jouer dans une comédie romantique de Noël. Et je veux jouer le Père Noël. Je veux goûter à ce white privilege. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment, c'est pas un white privilege, ça? Rentrer chez les gens par effraction. T'as un sac plein de trucs électroniques, y a jamais personne qui appelle la police. Et après ça, on te laisse des biscuits et du lait? What? Ah, je comprends. Moi, d'abord, ce que je veux faire des publicités de pick-up. Ah ouais? Ah ouais, je suis capable de le dire, leur slogan. Du courage, la légende, wham. Les gars, est-ce qu'on peut s'entendre sur une chose? Est-ce qu'on peut dire que moi et Rich, on fait partie intégrante du paysage culturel québécois maintenant ou pas? Ça fait plus de 20 ans que j'habite dans ce pays. OK, plus de 20 ans. Okay, est-ce qu'on peut dire que je suis bien intégré ou pas? Ouais. Ben voilà. Possible. Ah ouais, je pense pour vrai, on est aussi québécois qu'une chanson de Michel Rivard. Qui? Michel Rivard. Je sais pas c'est qui. OK, tu dis que t'es intégré à la culture, mais tu connais pas Michel Rivard. Non, vous connaissez vous? Okay. Ah oui, tout le monde connaît Michel Rivard. Il chantait « Je voulais voir la mer ». Et il voulait voir la mère de qui, au juste, lui? Mais non, pas ta mère. Ouais, dis-tu de se calmer à ton Michel. OK. Il faisait partie du groupe Beau Dommage. Beau Dommage? Ouais. C'est ça le nom du groupe? Ouais. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on dirait une réclamation d'assurance? On est d'accord avec ça ou pas? Hein? Parce que si c'est ça, nous aussi, on va faire un groupe, on va appeler ça Magnifique Perte Totale, OK? OK, Beau Dommage, tout le monde connaît ça. C'est eux qui chantaient La Complainte du Phoque en Alaska. Je connais pas. Tout le monde connaît La Complainte du Phoque en Alaska. Regarde bien ça. Crée-moi, crée-moi pas. Quelque part en Alaska, y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Je la connais! Gars, quand je suis arrivé ici au secondaire, on me l'a appris à la flûte. OK, regarde, c'est quoi? OK, attends, Eddie, attends une minute un peu. Je crois qu'il faudrait faire un remix compas. DJ, envoie la musique! Remix compas! Hey, 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 yes! Hey, 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 hey,
pas de monde qui encore. Les timouns, ils viennent